On va commencer. Paix sur vous, la team de connaissances illimitées. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture rapide. Tout simplement parce que là, je vois, il y a plein de personnes qui me sollicitent régulièrement en me disant, ouais, Mohamed, avec le confinement, et moi j'appelle plutôt ça une retraite. On est en retraite à la maison. On a plein de livres à lire, on a plein de choses à lire. La Fnac nous offre 500 livres gratuits, les bibliothèques mettent à disposition plein plein de livres, et moi, j'ai pas le temps de lire. On m'avait vendu qu'avec ce confinement, j'allais avoir plus de temps, et je me rends compte que j'ai encore moins de temps. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais leur partager ce que moi j'utilise tous les jours pour la lecture rapide. Par exemple, moi, juste depuis le début de l'année, je lis à peu près un livre tous les 3 jours, et depuis le début du confinement, je lis un livre tous les jours. Donc tout simplement, là, je suis à un rythme d'un livre par jour depuis le début du confinement, et je me suis dit, voilà, moi, je peux me permettre de le faire, donc il faut que je partage au moins les bases de la lecture rapide pour que les gens puissent également mettre ça en application chez eux, et qu'eux également puissent lire un livre par jour ou un livre tous les 2 jours. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord, qu'est-ce que la lecture rapide? La première chose, la base. C'est quoi la lecture rapide? Après, je vais vous parler de quelle est la première question qu'il faut se poser avant de commencer à lire un livre. Après, je vais vous parler de vos objectifs, qu'il faut toujours définir des objectifs avant de commencer. Et après, je vous partagerai 2 outils, mais bien détaillés, avec plein de choses à l'intérieur concernant la lecture rapide. Mais avant de commencer et à vraiment rentrer dans la lecture rapide, je vais me présenter parce que, voilà, y a des gens qui me connaissent, qui me suivent depuis pas mal de temps, et d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, qui je suis? Donc moi, c'est Mohamed, je suis praticien en lecture rapide et en mind mapping, je pratique ça depuis pas mal de temps, et j'ai été formé avec les meilleurs, avec les différents champions du monde en la matière, et j'ai participé à plusieurs championnats de France, et suite à ça, je me suis dit, allez Mohamed, partage tout ce que tu as appris, il faut que tu partages ce que tu connais, et donc c'est pour ça que j'ai créé mon association qui s'appelle Connaissances Illimitées, qui a pour objectif de partager les techniques de mémorisation, les techniques de mind mapping et les techniques de lecture rapide au plus grand nombre. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire des formations et que l'association s'est mise à faire des formations. Et aujourd'hui, on a formé plus d'une 150 personnes à ces techniques de lecture rapide et de mind mapping, et on avait plus d'une quinzaine de formations. Donc voilà, c'est pour de manière très concise qui je suis et qu'est-ce que je fais. Et je pratique ça régulièrement, la lecture rapide, et c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc, première chose, c'est quoi la lecture rapide? Tout simplement, je vais vous dire, une personne qui lit rapidement, qui lit en lecture rapide, est capable de lire plus de 500 mots minute. Pour vous donner un ordre d'idée, un lecteur lent lit entre 100 et 200 mots minute. Donc, un lecteur rapide peut aller jusqu'à 500 mots et jusqu'à même 1000 mots minute. Ça veut dire quoi, ça? Concrètement. C'est-à-dire qu'en temps normal, une personne qui lit un livre de 200 pages, il lui faut à peu près 10 heures. En lecture rapide, un livre de 200 pages, on lit en 1 heure. Donc on divise par 10 son temps de lecture, ou si on veut le prendre dans l'autre sens, on multiplie par 10 sa vitesse de lecture. Voilà, c'est ça la lecture rapide. Et la lecture rapide, c'est quoi? C'est des outils. C'est des outils qu'on utilise pour augmenter notre vitesse de lecture et augmenter notre compréhension. Parce que la lecture rapide, il y a deux types de. Quand on veut parler de lecture rapide, il y a la vitesse. On va parler de la vitesse. La vitesse de lecture. Donc on parle de mots minutes. Tout simplement, on parle beaucoup de gens qui disent, oui, voilà, moi j'ai lu un livre de 200 pages en 1 heure. Ouais, t'as une vitesse de 500, 600 mots minutes, c'est cool. Mais c'est ta vitesse réelle, ta vitesse nette. C'est-à-dire, quand je parle de vitesse nette, c'est la vitesse et le taux de compréhension. Parce que la base de la lecture, c'est de comprendre ce qu'on lit. C'est bien ça. Si vous avez voilà, mettez des commentaires et je prendrai le temps à la fin d'y répondre. La base, c'est bien de comprendre. Si je lis 200 pages en une demi-heure et que j'ai rien compris, ma vitesse de lecture, elle est de zéro. Et donc, on va distinguer 2 choses. La vitesse brute et la vitesse nette. Donc, je vais utiliser quelques mots techniques. Donc là, je rentre dans le détail. J'ai quelques mots techniques pour que vous ayez vraiment toutes les bases pour pouvoir au moins commencer et vous initier à la lecture rapide. Donc j'ai pris un petit livre là et je vais vous expliquer tout ça avec. Donc c'est quoi la vitesse brute? La vitesse brute, c'est tout simplement sa vitesse de lecture. C'est ce que je vais faire. Comment on calcule la vitesse de lecture? Tout simplement, on prend un livre.
On va prendre un livre et on va compter les 5, les nombres de mots qu'il y a sur une ligne, sur les 5 premières lignes. Donc voilà, on va prendre les 5 premières lignes du livre et on va compter le nombre de mots. Donc là, j'y vais 1, 2, 3, 4. Voilà, je compte le nombre de mots qu'il y a dans ma ligne, dans chacune des lignes, mais sur 5 lignes, pour me faire une moyenne de nombre de mots par ligne. Donc là, prenons l'hypothèse qu'on a 40 mots dans les 5 premières lignes. Voilà, je compte, j'ai 40 mots sur mes 5 premières lignes. Ok, super. Donc, 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc, j'ai 8 mots par ligne dans mon livre. Ça, c'est la moyenne de mots par ligne. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais commencer à lire, je vais me prendre un chrono et je vais me mettre à lire. Et je vais faire quoi? Je vais mettre un petit trait au niveau de la première ligne que je commence à lire. Je lance mon chrono et je finis pendant 2 minutes. Et dès que j'ai fini les 2 minutes, tac, j'arrête mon chrono et je mets un petit point au niveau de la dernière ligne que j'ai lue. Et là, je compte le nombre de lignes que j'ai lues pendant 2 minutes. Ok? Et là, ce que je fais, c'est que je multiplie le nombre de mots moyens, donc les 8 mots que j'avais trouvés, par le nombre de mots que j'ai lus, le nombre de lignes plutôt que j'ai lues pendant ces 2 minutes. Ok? Vous allez avoir un chiffre. Ce chiffre, on le divise par 2, tout simplement, pour avoir le nombre de mots minutes. Donc tout le monde peut calculer sa vitesse brute de lecture. Ça, cette formule, on la retrouve sur Internet. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un message, un commentaire, vous me faites un commentaire, vous m'envoyez un message, je vous renverrai la formule. Ouais, c'est une formule très simple. Ça vous permet déjà d'avoir votre vitesse. Là, on a la vitesse brute. Super. Et là, on peut être à 500, 600 mots minute, c'est super, voilà, moi j'utilise la lecture rapide. Mais la vraie question, c'est ma vitesse nette. Combien de rétention d'informations j'ai quand je lis rapidement? C'est ça la vraie question. Et ça, tout simplement, vous allez aller sur Internet, vous allez calculer test de lecture et vous allez trouver plein de textes que vous allez pouvoir lire. Vous lisez ce texte et à la fin, il y a des questions. Et ça va vous faire le ratio. Donc ça, vous pouvez utiliser ça. Moi, c'est ce que je fais en formation. En début de formation, je donne un texte avec des questions. Les gens répondent. Et à la fin, je redonne un nouveau texte avec les questions. Et ça permet de calculer en début et en fin de formation l'évolution de chacun. Et comme ça, les gens repartent directement en disant, voilà, moi, j'ai augmenté ma vitesse ou je ne l'ai pas augmenté. Bon, pour l'instant, les 150 personnes que j'ai formées, ils ont tous augmenté leur vitesse. Ils ont tous augmenté leur compréhension. Parce que tout simplement, avec les outils que je vais vous montrer, on peut très rapidement augmenter sa vitesse. Et sinon, vous demandez à un ami qui vous fasse 10 questions sur un livre, ou 20 questions sur un livre, vous lui donnez un livre, il dit, voilà, trouve-moi 20 questions sur ce livre, fais-les-moi, je me mets à lire le livre, je calcule ma vitesse, je calcule le nombre de bonnes réponses que j'ai, et voilà, je connais ma rétention d'informations, et là, j'ai ma vitesse nette. Donc ça, c'est la première chose à faire, parce que un lecteur rapide, une personne qui lit rapidement, c'est surtout une personne qui comprend beaucoup mieux que d'habitude. Et c'est ça la base. Parce qu'en lecture rapide, on comprend mieux qu'en lecture lente. Parce qu'on est concentré, on est focus. Là, je n'ai pas abordé la partie concentration, comment être focus, mais la lecture rapide nous permet de mieux comprendre un livre. Donc, on voit la lecture rapide, la vitesse. Ensuite, la première chose. Donc là, je vous ai partagé la première chose, c'est qu'est-ce que la vitesse de la lecture rapide et comment je calcule ma vitesse. Ensuite, la deuxième chose, c'est la première question qu'on se pose avant de lire. C'est-à-dire quoi ça, la première question qu'on se pose avant de lire? Oui, tout simplement, je prends un livre. Ouais, je suis parti, j'ai acheté un livre. Mais je vais passer 5 heures de ma vie à lire ce livre. Mais la première question, c'est pourquoi je lis ce livre? Qu'est-ce qui m'a poussé à lire ce livre? Pourquoi je vais passer 5 heures de ma vie? Ou, exemple, moi, en lecture rapide, pourquoi je vais passer 2 heures de ma vie? Ou pourquoi je vais passer 1 heure de ma vie à lire ce livre? Déjà, la base de la base. Si je ne suis pas capable de répondre à cette question, je prends mon livre, je le pose et je ne le lis pas. Si je ne sais pas pourquoi je veux le lire, inutile de le lire. Donc déjà, quand on a défini son pourquoi, on sait pourquoi on veut lire le livre, déjà, au niveau de l'état d'esprit, on ne prend pas le livre de la même manière. On prend le livre en ayant un état d'esprit nouveau. On est conscient de ce qu'on va faire. Et voilà, maintenant j'ai pris mon livre, je sais pourquoi je le lis. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire la quatrième de couverture, je vais lire
l'introduction, je vais lire la conclusion et je vais me dire quelles sont les informations que je souhaite retenir de ce livre. Et je vais me poser 10 questions. Je vais me poser 10 questions sur le livre pour me dire, pour me conditionner, pour conditionner mon cerveau à aller chercher l'information. Quand tu conditionnes ton cerveau à aller chercher l'information, il est beaucoup plus focus, il est beaucoup plus concentré sur ce qu'il va faire. Si tu prends ton livre et que tu te mets juste à regarder et tu te mets juste à lire, tu prends, voilà, tu commences à lire, mais t'as pas de but, t'as pas de pourquoi et t'as pas de questions sur le livre, inutile de le lire. Parce que ton cerveau va voyager, il va commencer à faire ses courses, il va commencer à penser à ses amis, il va commencer à penser à plein de choses et il va pas penser au livre. Et vous partagez aussi une deuxième chose avec le pourquoi, c'est de vous dire quand vous allez commencer à lire, voilà, moi, je vais me mettre dans la peau du personnage principal. Voilà, je vais me mettre dans la peau du personnage principal et quand je lis, je suis le personnage principal qui vit l'histoire. Ou sinon, je vais me mettre dans la peau de l'auteur et je vais me dire pourquoi l'auteur a écrit ce livre. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre? Quelle est la thèse que l'auteur défend dans son livre? Et je vais toujours chercher cette information et je vais être focus et je vais me dire aussi, voilà, je me suis mis dans la peau du personnage, je me suis mis dans la peau de l'auteur et qu'est-ce que je souhaite partager autour de moi de ce livre? Si je devais finir le livre, au moment où je vais finir le livre, je me dis, voilà, moi j'ai lu ce livre, je vais aller voir un ami, je vais aller voir ma famille et je vais leur faire un résumé de ce livre. Tout de suite. Et donc, si on se dit ça, on dit, voilà, moi je vais faire un résumé du livre. Quand on va lire le livre, on va être en recherche d'informations. Parce qu'on va dire, attends, moi je dois en faire un résumé, je dois le résumer à ma femme, je dois le résumer à mes amis, je vais le résumer à mes enfants. Donc je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit qu'une personne qui va lire juste pour lire. Et donc ça nous oblige à être beaucoup plus focus. Voilà, c'est des petites techniques là que je partage très rapidement qui permettent d'être plus focus et qui permettent aussi de ressortir un taux de rétention beaucoup plus important. Et bien sûr, prendre des notes lorsqu'on fait de la lecture. Là, voilà, ce livre que j'ai avec moi, là, j'ai pas pris de notes sur le livre, j'ai pris des notes à côté, mais prenez des notes. Toujours, toujours, toujours prendre des notes. Un livre, il est fait pour prendre des notes. À l'école, on nous a appris qu'il fallait ne pas écrire dans le livre. Eh bien non, moi, je suis pas d'accord. Il faut écrire sur le livre, il faut surligner, prendre des notes, et ça nous permet aussi être encore plus focus et encore plus concentré dans ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, je vous ai partagé trois choses pour être plus concentré, définir son pourquoi, même quatre, définir son pourquoi, définir ses questions, se mettre dans la peau de l'auteur ou dans la peau du personnage principal, et se dire qu'à la fin du livre, je vais partager les informations autour de moi. Et donc, quelles sont les informations que je dois retenir pour résumer ce livre au maximum autour de moi? Donc voilà. Donc on a vu maintenant le deuxième point, on vient de finir le deuxième point sur le pourquoi. Ensuite, il y a l'aspect objectif. Ça veut dire quoi l'aspect objectif? Bon, je pense que tout le monde connaît la loi de Parkinson. Je reviens pas dessus, la loi de Parkinson, c'est connu, tout le monde la connaît. Donc je reviens pas dessus. Attends, bon. Je vois qu'il y a des petits commentaires qui me demandent la loi de Parkinson. Hein. Tout simplement, la loi de Parkinson, c'est quoi? C'est plus on a de temps pour faire quelque chose, plus la tâche va prendre de temps. Donc, on va définir un temps avant de commencer à lire un livre. Si je me dis que ce livre va me prendre 4 heures, ce livre va me prendre 4 heures. Et si je me dis que ce livre va me prendre 1 heure, ce livre va me prendre 1 heure. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'avant de commencer, je vais dire combien de temps il me faut pour lire ce livre. Et je vais respecter mon planning. Et je vais respecter mon délai. Donc voilà, je vais dire, moi, ce livre, c'est 2 heures. Ou ce livre, il est très important. C'est un livre qui me tient à cœur. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai envie de retenir beaucoup d'informations. Donc non, ce livre, c'est 4 heures. Et là, je commence à lire mon livre. Et je respecte mon planning. Et ce que je fais, c'est que je chronomètre ma lecture et si j'ai dit que je tenais 2 heures, à la fin des 2 heures, je regarde et voilà, je regarde où j'en suis dans le livre. Et si j'ai pas fini, je ferme mon livre, j'arrête et je reprends ma session de lecture une prochaine fois. Et donc je commence à conditionner mon cerveau à dire, ah, voilà,
T'as pas respecté ton engagement envers toi-même. Tu t'avais dit que c'était 2 heures, t'as pas respecté, ben tu finis pas. Même si c'est un passage super important, même si c'est le moment le plus même le plus important du livre, tu arrêtes. Et tu prépares ton cerveau à dire, ah bah ben, la prochaine fois, quand on a dit que c'était 2 heures et pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. D'accord? Et ce qu'on peut faire aussi, moi ce que j'utilise, c'est la méthode Pomodoro. Bon, je pense que vous connaissez, et si vous connaissez pas, mettez en commentaire de la vidéo que vous connaissez pas, et je vous referai un petit truc sur le Pomodoro. Moi, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Et donc, quand je commence à lire un livre, je divise ma lecture par des temps de 25 minutes. Je lis pendant 25 minutes, je fais 5 minutes de pause, je relis 25 minutes, je fais 5 minutes de pause. Bon, c'est comme ça que je lis, mais je vous expliquerai vraiment pourquoi dans une vidéo et l'apport de faire 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo durera pas plus de 25 minutes, tout simplement parce que le cerveau n'arrive pas à rester concentré plus de 25 minutes. Ok? Maintenant qu'on a vu, voilà, la partie introduction, définir sa et sa vitesse, définir son pourquoi, définir ses objectifs en termes de temps, là, on va rentrer dans le dur et dans les outils. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous partager 10 milliards d'outils, mais je vais vous en partager deux, mais que je vais bien détailler. Quand je dis je vais bien détailler, je vais au moins vous expliquer ce que vous pouvez mettre en place, vous, très rapidement en termes de lecture. Il y a une règle qui est simple, et qui est très très simple, c'est l'appui visuel. À l'école, quand on était petit, naturellement, l'enfant lit avec un appui visuel, lit avec le doigt. Parce que tout simplement, l'œil n'arrive pas à fixer une ligne. Il fait des saccades. Son œil a tendance à aller un peu à droite, un peu à gauche, à revenir en arrière. Et donc, lorsqu'on met un appui visuel, ça fluidifie la lecture. Mais en termes d'appui visuel, il y a plein de techniques. Et moi, je vous en partageais trois techniques d'appui visuel. Souvent, en formation, les gens, on partage que une. Vous partagez la touillette, l'appui visuel comme ça, ou un stylo. Moi, je vous en partageais trois. Je vais vous partager d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Ce qu'on va faire, qu'on va lire rapidement. En appui visuel, on va prendre le texte, on va prendre une page, on va prendre une feuille blanche là. Et ce qu'on va faire, c'est que naturellement les gens vont me dire, bah tout simplement, je mets ma feuille blanche sous la ligne. Eh bien non, je mets pas la feuille blanche sous la ligne. Je mets la feuille blanche au-dessus de la ligne, tout simplement. Donc je vais la mettre au-dessus, comme ça, et je vais mettre à lire. Et je vais commencer à lire la première page et je vais descendre progressivement. Tac, tac, je vais descendre progressivement. À chaque fois que j'ai fini une ligne, je la couvre. À chaque fois que je finis une ligne, je la couvre et je continue à lire comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que naturellement, les yeux ont tendance à faire des marches arrière. Ils ont tendance à aller regarder ce qui se passe après. Et le fait de couvrir toutes les lignes qui se trouvent avant, qu'on a déjà lues, on envoie un message à notre cerveau et la règle, c'est de toujours hacker le cerveau. Le cerveau, il a besoin d'être hacké. Il a besoin qu'on lui mette de la rigueur, qu'on lui mette un cadre. Le cerveau, si tu lui mets pas un cadre, il va toujours aller à la facilité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir tout ce qui se passe avant et on envoie un signal à notre cerveau qui dit « Ah, Mohamed, si tu n'as pas lu ta ligne, c'est fini. Tu n'auras plus d'informations. Si tu ne lis pas ta ligne, l'information, elle va plus revenir. » Donc, je couvre. Donc, je mets et je descends. Je descends, je descends au fur et à mesure. Testez ça à la maison. Là, on ne va pas le faire. Mais voilà, testez-le. Vous me ferez des retours sur le sujet. Ça, c'est la première chose. Tac. La feuille blanche. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de mettre son doigt au niveau de la marge, des deux côtés de la marge. Deux côtés de la marge. Ça, c'est une deuxième technique d'appui visuel. Et c'est de descendre progressivement à chaque fois que j'ai lu une ligne. Je lis la première ligne, tac, je lis la deuxième ligne, je descends, troisième ligne, quatrième ligne, et je continue à descendre. Et donc, ça permet d'avoir deux points de fixation différents au niveau des yeux, et ça permet d'orienter aussi le champ visuel et de dire aux yeux que le champ visuel est entre mes deux doigts. Et à chaque fois que je descends, j'avance dans la lecture. Donc ça, c'est une deuxième technique. Moi, c'est personnellement, c'est pas une technique que j'utilise. Mais voilà, je vous partage comme ça, chacun teste et voit ce qui est le plus opportun pour lui. Et ensuite, la troisième technique,
qui peut être dupliqué avec plein d'outils différents, donc plein de choses, c'est l'appui visuel qui est le doigt. Soit le doigt, soit la touillette, soit le stylo. Donc on peut utiliser ce qu'on veut. Moi personnellement, j'utilise le stylo ou la touillette. Mais souvent le stylo, pourquoi le stylo? Parce que je vais vous montrer comment on fait. Mais pourquoi le stylo? Parce que ça me permet de suivre la lecture avec mon appui visuel. Et dès que j'ai envie d'écrire quelque chose, une information, j'ai mon stylo, j'écris, je gagne des secondes, je ne perds pas de secondes à poser mon appui visuel ou à chercher mon stylo. Avec mon stylo, j'y vais, tac, je lis, j'écris dès que j'ai une information importante. Donc, comment ça fonctionne? On va le faire avec la touillette. Et la touillette, pourquoi j'ai mis un peu de rouge en haut, si vous voyez bien, c'est, ça permet d'envoyer un signal aux yeux et dire, voilà, mes yeux, regardez bien, suivez ce point rouge. Et si le point rouge accélère, vous devez accélérer. Donc, comment ça se passe? Donc là, on va prendre le texte et on va mettre l'appui visuel en dessous du mot. Donc, je me rapproche, je sais pas si vous voyez bien. Donc, on va mettre l'appui visuel en dessous du mot et on va aller progressivement. Tac. Et on va lire. Et on va lire et à chaque fois, on va avancer au fur et à mesure en dessous de chaque ligne et on va accélérer doucement. Et on va s'amuser pour habituer le cerveau à lire de plus en plus vite. On va s'habituer à accélérer, ralentir. Accélérer, ralentir. Et on va s'entraîner comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est lire un paragraphe avec une vitesse, un paragraphe avec une autre vitesse. Donc à chaque fois, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et après, on ralentit. On accélère, on ralentit, on accélère. Et ça habitue notre cerveau, on envoie un message à notre cerveau qui dit attention, tu vas aller plus vite, attention, je vais ralentir. Il y a des applications, c'est ce que je montre en formation, on utilise des applications avec un chrono qui nous permet d'accélérer, de partir un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute, que vous roulez à 90 et qu'après vous passez à 130. Vous avez l'impression d'aller super vite et d'un coup il y a un panneau qui vous dit faut rouler à 110, vous allez ralentir et vous avez l'impression de faire du surplace. Parce que vous étiez à 130 et que vous êtes passé à 110. Et c'est le même message que vous envoyez à votre cerveau. Quand vous allez accélérer et après ralentir, vous allez envoyer le même message. Et ce que nous, on va faire, c'est qu'on va accélérer, on va envoyer notre cerveau au max et après, on va ralentir un tout petit peu. Donc le cerveau va croire qu'on lit moins vite, mais on lit déjà beaucoup plus vite que d'habitude. Donc voilà. Testez, franchement. Prenez un appui visuel et chez vous, testez à lire la lecture avec un appui visuel, vous allez voir que vous allez beaucoup plus reposer vos yeux, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Donc là, on a parlé de l'appui visuel pour la lecture. Ça, c'est la base de la base. C'est le truc qu'on utilise tout le temps. N'importe quel livre, que ce soit du français, que ce soit du chinois, que ce soit de l'arabe, quelle que soit la langue, quel que soit le type de livre, on utilise toujours l'appui visuel pour lire. Ça va vous vraiment changer votre vie au niveau de la fatigue oculaire. Donc voilà, ça c'est la base. Je vais pas parler aujourd'hui de toutes les techniques de saut de lecture, où vous placez les yeux, tout ça. On va pas parler ça. Là aujourd'hui, c'est uniquement l'appui et je vais vous parler d'un deuxième outil qui est aussi très 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 important. C'est quoi? C'est la subvocalisation. C'est la petite voix qu'on a en nous. Donc là, je pense, je vous rassure, hein, si vous pensiez que vous étiez possédé, que vous aviez une petite voix au fond de vous qui était là avec vous et qui vous racontait un peu tout et n'importe quoi, je vous rassure, on l'a tous. On a tous cette voix qui est là avec nous et qui nous accompagne tout le temps et qui nous accompagne dans notre lecture. Il faut savoir que cette voix qui est là et qui nous accompagne dans notre lecture, c'est la même voix que j'entends là aujourd'hui et avec laquelle je parle, et cette vitesse, la voix, de manière générale, va maximum à une vitesse de 200-250 mots minute. Et comme je vous ai dit, quand je vous ai parlé de vitesse de lecture, je vous ai dit qu'un lecteur rapide lit à plus de 500 mots minute. Donc, on comprend bien qu'il y a un souci, c'est-à-dire que moi, j'ai une voix dans ma tête qui peut aller jusqu'à 250 mots minute, mais moi, je vais entendre les 500 mots minute. Donc si j'utilise cette voix pour lire, forcément, elle va m'empêcher de lire rapidement. Et elle va me bloquer. C'est comme un plafond de verre. Je vais avoir un plafond de verre dans mon cerveau qui va m'empêcher
d'augmenter ma vitesse de lecture. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'éradiquer ce plafond de verre, c'est de casser ce plafond de verre, et donc d'éradiquer cette voix. Tout simplement, je vais vous partager trois techniques pour enlever cette voix qu'on a régulièrement lorsqu'on lit. Moi, dans beaucoup de formations que j'ai réalisées, que j'ai faites en tant que participant, on m'a toujours appris une seule technique. Moi, je vais vous en partager trois. C'est des autres que j'ai trouvées dans des livres, dans des livres que j'ai lus. La première, celle qu'on voit tout le temps, c'est simple. C'est quoi? C'est de lire tout en comptant à haute voix les chiffres en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lis. Vous avez bien compris, hein. Je suis en train de lire. Mes yeux lisent et ma bouche dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ça permet de mettre mon conscient sur la voix. Et donc ma voix est en train de faire quelque chose, mais mes yeux et mon cerveau sont en train de faire autre chose, sont en train de lire. Et donc on dissocie la lecture de la parole. Et donc là, déjà c'est un premier exercice. Et vous allez voir en faisant cet exercice-là, avec le temps, en faisant cet exercice-là, avec le temps, votre cerveau va s'habituer au 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous allez changer et vous allez dire 10, 9, 8, 7, 6, 7. Voilà, vous allez compter à l'envers. Donc à un moment, vous comptez en disant 1, 2, 3, 4, 5. Et des fois, vous comptez en disant 5, 4, 3, 2, 1. Tout en lisant, bien sûr. Et je vous assure, au début, ne vous concentrez pas sur la compréhension. Au début, quand on commence la lecture rapide, on habitue notre cerveau à lire rapidement. Donc même si on n'a pas toute la concentration et toute la compréhension qu'on voudrait, c'est pas un problème. Parce qu'on s'entraîne, on est dans l'entraînement. Et oui, effectivement, je ne vous l'ai pas dit, quand vous commencez les techniques de lecture rapide, n'allez pas prendre le livre que vous voulez lire depuis 10 ans. Ce livre-là, vous le laissez, vous le mettez de côté, et vous commencez avec des livres très simples, des livres que vous avez déjà lus, des livres basiques pour entraîner votre cerveau. Que sinon vous allez être frustré et le fait que vous soyez frustré, ça va vous empêcher de continuer parce que naturellement l'homme dès qu'il est frustré il arrête. Et donc ça c'est la première chose. Donc on dit 1, 2, 3, 4. C'est des choses qu'on utilise qui sont super puissantes. Après il y a une deuxième technique, c'est quoi? C'est de répéter toujours le même mot pendant la lecture. Donc je prends un mot et je le répète. Ma bouche répète ce mot et mes yeux toujours. Et mon cerveau font autre chose. Exemple, là, on va prendre un mot d'actualité, on va lire et on va répéter Corona, 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 comme ça, on va lire comme ça. Je suis chaud, hein? On va lire et on va dire Corona, 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 et en même temps, je lis. Ou sinon, on dit confinement, 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 et donc le cerveau dit confinement, ou le cerveau dit Corona, ce qu'il veut. Et les yeux et la tête font autre chose. Bien sûr, c'est un peu abstrait, les gens. Là, voilà, moi, je vous fais du terre à terre. Je vous dis vraiment les choses, hein, et ce qui est vraiment utilisé par tout le monde pour faire de la lecture rapide. Après, effectivement, en formation, on le détaille, on l'explique, on rentre dans le détail, on l'utilise. Voilà, on fait plein de choses. Là, moi, je vous donne les pépites, le conseil que vous pouvez mettre directement en application. Et vous pouvez m'envoyer des commentaires si vous voulez que je réponde. Donc ça, c'est la deuxième technique. Répétez toujours le même mot et lire. Toujours en entraînement. La troisième technique que je vous partage, c'est quoi? C'est dire, prendre un son très régulier, qui est le et lire en faisant ce son-là. Donc on va prendre toujours l'appui visuel, on va regarder notre livre et on va faire comme ça. Bien sûr, vous reprenez votre respiration, hein, sinon ça va pas être possible. Et donc à chaque fois, vous faites et vous continuez et vous lisez et vous lisez et vous lisez. Et ça vous permet d'enlever votre voix. Et le fait d'enlever votre voix, ça va vous permettre d'augmenter votre vitesse. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est rapide, hein, c'est 25 minutes, je donne beaucoup beaucoup de contenu. Mais déjà, si vous utilisez l'appui visuel, donc, en lisant à chaque fois avec votre appui visuel, quel que soit le type de livre, si vous essayez d'enlever votre voix
qui lie avec vous, qui vous empêche d'aller rapidement, déjà là, c'est sûr que vous allez augmenter votre vitesse. Et au minimum, vous allez vous reposer et reposer vos yeux pendant la lecture. Ça, c'est la base. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fini au moins sur les basiques de la lecture rapide. Après, je répondrai à toutes vos questions. Donc mettez des questions dans les commentaires. J'ai déjà plein de questions qui m'ont été envoyées avant de faire la vidéo. Donc je vais répondre à ces questions. Mais déjà, utilisez ça. Moi, c'est ce que j'utilise à chaque fois que je lis. Voilà, ça c'est tous les livres là. J'en ai mis quelques-uns, j'en ai encore lu plein. Mais là, juste voilà, depuis le début du confinement, un livre par jour minimum. C'est la base. C'est la base. Un livre par jour. Et ensuite, à chaque fois que je lis, j'utilise mon appui visuel, j'utilise mes techniques, donc toutes les autres techniques qu'on peut pas voir maintenant, qui sont un peu plus poussées, qui nous permettent vraiment de dépasser et d'arriver à des 500 mots minutes et bien sûr d'augmenter sa compréhension. Parce que, je le répète, la compréhension, c'est la base. Et une chose qui est importante à dire, et ça, il faut toujours se le répéter, l'outil n'est pas la compétence. Parce que là, si je viens, je vous dis, venez, je vais vous apprendre la lecture rapide. Je vais vous apprendre les outils qui vont vous permettre de lire rapidement. Mais est-ce qu'à la fin, vous allez avoir la compétence? Ça, c'est vous seul qui êtes capable de me dire et de faire en sorte d'avoir la compétence. Parce que la compétence, comment on l'a? C'est avec l'entraînement, la répétition. La répétition, la répétition, la répétition, l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement va vous permettre d'acquérir la compétence. Et dans n'importe quel type de formation, si vous allez en formation, je vous assure qu'à la fin, si vous ne vous entraînez pas, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas la volonté de vous entraîner, c'est inutile. Donc voilà, ça c'est les mots de la fin avant de répondre à vos questions. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous et encore entraînez-vous. Et profitez du fait que vous soyez chez vous, que vous soyez en retraite. J'utilise bien le mot retraite. Donc après, ça peut être retraite spirituelle, ça peut être plein de types de retraite. Que vous êtes en retraite pour vous mettre en place un planning d'entraînement, un planning de lecture régulière où vous mettez au minimum ces deux, trois techniques et envoyez-moi dans vos commentaires, voilà, si vous avez mis ça en place, est-ce que comment ça vous a servi? Donc voilà, merci d'avoir suivi tout ça.